Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sport 30. À la une, les Alouettes sont à Toronto pour le premier de deux duels en six jours face aux Argonauts. Montréal tente de mettre fin à une série de deux défaites et le défi est taille face aux Argos, vaincu une seule fois en 10 matchs cette saison. Les Alouettes n'auraient pas pu imaginer un pire début de match. C'est déjà 7-0 Toronto quand Chandler Worthy échappe le ballon sur un botté d'envoi. Les Argos prennent possession au 24 des Alouettes. La meilleure attaque de la Ligue canadienne ne se fait pas prier pour en profiter. AJ Ouellet inscrit le toucher sur 15 verges, c'est 14-0 Toronto. Worthy se fait pardonner sur le botté d'envoi qui suit. Worthy s'en va maintenant vers les périmètres. Un excellent retour par Worthy. Oh. Boris Bédé est à sa poursuite. Worthy est rapide. Oh, oh quel plaqué par Bédé pour sauver le toucher. Boris Bédé sauve les meubles pour les Argos, mais le retour de Worthy place les siens à la ligne de 24. L'attaque des Alouettes profite de la bonne position sur le terrain. Cody Fajardo lance à Cole Speaker qui capte dans la longue début, même s'il est durement frappé. Speaker inscrit son premier touché de la saison. Les réjouissances sont de courte durée toutefois. Sur leur séquence offensive qui suit, les Alouettes perdent les services de leur meilleur receveur. Austin Mack a maille à partir avec un adversaire et une petite mêlée s'ensuit. Mack est expulsé du match. L'histoire se répète pour les Alouettes qui sont coulés par les erreurs et les revirements au deuxième quart. William Standback échappe le ballon au territoire des Argos, puis Cole Speaker commet la même gaffe dans la dernière minute de jeu. Montréal tire de l'arrière 23-7 à la mi-temps. Les Hawks ont l'occasion de réduire cet écart à une seule possession en début de troisième quart lorsqu'ils font face à un premier début aux 8 des Argonauts. Sauf que Walter Fletcher et William Standback sont arrêtés coup sur coup. Jason Moss décide de se contenter des 3 points. Les Argos sont plus agressifs et font face à leur tour à un troisième et début sur la séquence qui suit, mais décident d'y aller pour le toucher, eux. Bonne décision, Chad Kelly inscrit le majeur et Toronto mène par 19. Et les Argos s'assurent de mettre le match hors de portée des Alouettes en tout début du quatrième quart. Ouellet inscrit son deuxième touché du match. Les Argonauts l'emportent 39-10 et s'assurent d'une place en éliminatoire. Avec une fiche de 10-1, il s'agit de leur meilleur début de saison depuis 1996.